Moi, j'ai un, par exemple, j'ai un cabinet très mixte. Donc, j'ouvre vraiment ma directrice de cabinet qui est là. Alors, en général, d'ailleurs, les gens me demandent, tu peux nous donner le nom de ton directeur de cabinet? Ils disent, ça va être possible. J'ai parfois aussi des gens qui disent, ton directeur de cabinet m'a dit que, pris au piège, c'est pas un directeur, il n'a rien pu te dire. Donc, j'ai un cabinet très mixte dans lequel j'ai même dû discriminer positivement à l'égard des hommes, parce qu'en fait, toutes les fonctions de direction sont occupées par des femmes. Mais ça tombe bien parce qu'on a pris plutôt des hommes comme conseillers techniques. Donc, c'est une espèce d'inversion par rapport à ce qui se passe dans la société, qui au début d'ailleurs inquiétait un peu certains des hommes au moment du recrutement, parce que c'était inhabituel. Donc, on sentait que. Et en fait, ils y trouvent, je crois, leur avantage, un équilibre peut-être dans la vie personnelle. Un peu plus assumé. J'en ai un exemple très particulier. L'autre jour, il y en a un qui m'a fait une remarque parce qu'il est divorcé, il a des enfants un week-end sur deux à garder. Il m'a dit, mais en fait, c'est sympa d'être en face de gens qui comprennent que je préfère faire des permanences le week-end où je n'ai pas les enfants. Il y a des permanences dans un ministère dans lequel il y a des risques de crise, il y a les transports, il y a les structures d'industrie, donc les conseillers ont des permanences. Par exemple, nous, c'est quelque chose auquel on fait spontanément attention. C'est vrai que c'est mieux d'être de permanence le week-end où il n'y a pas les enfants. Mais ça paraît pas évident partout. Donc peut-être qu'il y a un management un peu particulier au sens d'une attention un peu particulière à des choses qui ne trouvent pas toujours bien leur place dans le milieu professionnel. Ce matin, la personne qui a été le plus applaudie pendant les conférences, c'est la personne qui va échanger le modèle économique et pour finir avec le modèle basé sur la croissance poussée à la consommation. Je veux dire que la planète va exploser si on continue sur ce modèle économique-là. Je trouvais que c'était étonnant que cette personne soit applaudie ici, où il y a beaucoup d'entreprises qui sont représentées. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, en conclusion. Je pense que de la crise peut naître quelque chose de formidable. La crise, c'est un moment de transformation, la crise. Et c'est une vraie opportunité. Voilà, c'est une vraie opportunité. Pourquoi ? Parce que il y a des positions extrêmes qui s'y révèlent, de ceux qui, en fait, n'ont jamais supporté qu'on parle de transformation du système de production et de consommation, et qui prennent argument de la crise pour rejeter le plus loin possible tout projet de transformation de notre système économique, pour dire, vous voyez bien, ce n'était pas légitime, ce n'est pas le moment. Et je pense que la crise est le moyen de disqualifier définitivement cela, parce que tous les autres, et ils sont de plus en plus nombreux, pense que la crise, c'est pas seulement une crise financière, c'est pas seulement une crise bancaire, c'est même pas seulement une crise économique, c'est une crise du sens, c'est une crise du court terme, en fait, d'une société dans laquelle tous les horizons sont rapprochés, assez curieusement, en plein mouvement de mondialisation, des mouvements qui devraient nous faire des respirations, des désirs de découverte du monde, et tous les horizons sont rapprochés, l'horizon financier s'est rapproché, l'horizon des produits, l'horizon du contrat de travail, on a l'impression que tout est dans, de plus en plus dans l'urgence, dans le court terme, or, on a besoin de long terme pour faire une famille, établir des relations, on a envie de long terme dans son travail, on a envie de long terme dans ses investissements, on a envie de long terme dans la façon dont finalement on choisit d'investir son temps. Voilà, moi je crois que la nature humaine, elle est beaucoup plus dans le long terme, enfin, elle s'épanouit beaucoup plus dans le long terme. Donc on est dans une société qui nous tord, qui nous fait souffrir, qui ne nous permet pas de donner le meilleur de nous-mêmes. Et je pense que la crise, c'est le moment de l'exprimer collectivement. Moi, je suis convaincue qu'il faut changer nos modes de production et de consommation. C'est une conviction qu'on exprime toujours sur un mode mineur en temps normal. Au moment de la crise, il y a ceux qui en profitent pour essayer d'étouffer ce mouvement, et tous les autres qui disent « mais c'est le moment peut-être de respirer ». Donc je suis bien convaincue que ça peut se passer maintenant. Et je prends l'exemple de la conférence qu'il y avait à l'OCDE cette semaine sur les indicateurs alternatifs à la croissance. C'était vraiment typique. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait sur les indicateurs alternatifs à la croissance, c'est qu'on a dit, on va commencer par faire un tableau de bord dans lequel on met le PIB et on met tous les autres indicateurs qu'on développe au fur et à mesure. Donc, par exemple, en France, on a développé l'empreinte carbone. Nous, on fait une empreinte carbone globale, intégrale, à la fois ce qui est produit en France et ce qu'on achète qui est produit à l'étranger. On a développé un truc très original qui est l'empreinte eau. La France est vraiment en train de développer ça. Qu'est-ce qu'il y a comme utilisation d'eau dans tous les produits, dans toute votre vie quotidienne? C'est une méthodologie assez intrigante. On a développé le critère de productivité matière. Non pas seulement productivité financière, productivité énergétique, mais productivité matière.
Mais on met tout ça dans un tableau de bord et on essaye d'inciter tout le monde à s'intéresser aux autres dimensions du tableau de bord que la dimension ordinaire qui est le PIB. Et bien en ce moment, on a vraiment deux positions très tranchées. Ceux qui disent « c'est même plus la peine de calculer des trucs autres que le PIB, on a trop de problèmes avec le PIB en ce moment. Donc on n'est plus que PIB. » Et ceux qui disent « la crise actuelle est vraiment la démonstration que le PIB est un indicateur qui ne sert à rien et qui, pire que ne servir à rien, nous met dans le mur. » Et je trouve que la crise sert de révélateur à ces deux positions, qui sont deux positions très tranchées. Et c'est bien un moment. C'est bien un moment que les choses puissent être dites, parce que c'est ce qui permet d'avancer. Sinon, si on reste dans l'hypocrisie, on fait des politiques publiques qui sont à la marge, mais qui ont du mal à transformer profondément les choses. Néanmoins, tu as un discours préélectoral Mais moi, c'est pas le terme croissance qui me... Il faut dire ce qu'on met dans la croissance. C'est pour ça que je cherche des indicateurs, ça m'intéresse, des indicateurs alternatifs à la croissance. Si je faisais un peu de politique, je vous dirais que la commission Amartya Sen Stiglitz, elle a été lancée par le président de la République autour de l'idée qu'on ne voulait pas la décroissance. C'est-à-dire on ne veut pas renoncer à la croissance. Il y a de plus en plus d'humains sur la Terre et ils ont tous envie d'avoir le même confort, le même... En revanche, avoir un indicateur qui considère que quand vous cassez une jambe, ça fait plus de PIB. Parce que ça va faire de l'activité autour de votre jambe cassée. Quand même, vous n'avez pas amélioré le bonheur humain en vous cassant une jambe. Et si je mets ça à une échelle beaucoup plus dramatique, qui est celle de l'humanité, est-ce que vous savez que les spécialistes, les économistes, considèrent qu'à moyen terme, le tsunami au Japon avec la catastrophe de Fukushima, ça pourrait avoir un impact positif sur le PIB ? Parce qu'il va falloir reconstruire. Qu'est-ce que c'est qu'un indicateur qui considère que la catastrophe, enfin qui comptabilise en positif, pas à court terme, hein, mais qui à moyen terme pourrait comptabiliser en positif le tsunami et la catastrophe de Fukushima avec les milliers de morts du tsunami. Qu'est-ce que c'est que cet indicateur-là ? On ne peut pas rester là-dessus. Mais moi, je mets au défi quiconque qui a envie de débattre ça, parce que je trouve que l'exemple japonais est quand même, je veux dire, tellement, tellement évident. On parle beaucoup de médias sociaux et de numérique pendant ce Women's Forum et vous étiez très concerné par ce sujet avant que vous étiez secrétaire d'État. Est-ce que vous continuez à suivre un peu ces sujets-là? Je sais que vous êtes dans celui-là, mais qu'est-ce que vous continuez à suivre et qu'est-ce qui vous intéresse sur ce qui se passe? Vous savez quoi? Le World e-Government vient de choisir comme lauréat le portail que j'avais lancé au numérique, Proxima Mobile. Vient de choisir comme lauréat dans la catégorie e-Government. Je ne sais pas si c'est encore officiel, mais enfin je le dis. Le délégué aux usages de l'Internet m'a informé de ça tout à l'heure. Oui, je continue à suivre de très près parce que pour moi, c'est pas. Pour moi, la politique numérique, c'est comme la politique environnementale d'ailleurs, ça n'a jamais été des politiques sectorielles. C'est des sujets de transformation de la société. Donc j'ai eu à m'en occuper plus particulièrement comme ministre et à l'époque, je m'occupais de tout, de la dimension sociétale, la dimension technique, faire en sorte que vous ayez un prix acceptable, votre triple play, votre fibre, votre machin. Bon, ça c'était la partie technique si vous voulez, mais sur la partie sociétale, je suis convaincue, c'est des outils qui transforment la société. L'écologie, c'est pareil, il y a la partie technique, vous avez la politique de l'eau, la politique des déchets, puis il y a ce qu'il y a derrière qui est un appel à changer ce qu'on disait, nos modes de production et de consommation. Donc oui, je continue à m'intéresser de près au numérique. Alors d'abord, en le faisant entrer dans le ministère du développement durable, ce qui n'était pas forcément beaucoup le cas, assez curieusement. Ça passe par des choses évidentes, genre créer un compte Twitter pour le ministère, ça a été fait par quelques semaines, ou des choses beaucoup plus considérables comme investir dans les technologies numériques pour essayer de conjuguer numérique et écologie. Par exemple, dans le grand emprunt, on met 250 millions d'euros sur les smart grids, les réseaux intelligents, donc l'utilisation en fait des nouvelles technologies de la communication et de l'information pour par exemple effacer les pointes d'électricité qui sont fortement pénalisatrices pour les productions de CO2. Donc j'essaye en fait de tenir les deux bouts, si vous voulez, à la fois le côté outil et la vraie rencontre entre le numérique et l'écologie. Et je reste très attentive par ailleurs à tout ce qui se passe dans ce monde-là. Je continue à tweeter. La France veut être leader en voiture électrique. On a beaucoup parlé de voiture électrique ces jours-là. En même temps, on dit très peu que, surtout en France, elles vont rouler par l'énergie nucléaire. Est-ce que cela pose un problème? Est-ce que c'est hypocrite? En France, on le dit.
C'est-à-dire que, enfin, moi je pense que c'est une question qui doit être explicite. Un pays qui produirait son électricité avec une centrale au charbon ou à la lignite a clairement un bilan carbone dans ses véhicules électriques bien moins bon qu'un pays qui le produit dans une électricité. Alors après, on peut avoir des débats sans fin sur le nucléaire, mais le nucléaire a quand même l'avantage d'être décarboné. Je veux dire, enfin, moi, j'aborde pas les questions énergétiques comme ça. Si vous me laissez 2 minutes, je vous dis comment je pense qu'il n'y a pas d'énergie idéale. Et donc, l'enjeu pour moi, c'est vraiment l'efficacité énergétique. On a un gaspillage d'énergie. On est engagé dans des débats sans fin, parfois très idéologiques, sur le meilleur moyen de produire de l'énergie. La vérité, c'est que le meilleur moyen de produire de l'énergie du point de vue environnemental, c'est de ne pas en produire. On gâche l'énergie d'une manière insensée. Ce que je dis là, ce n'est pas du retour à la bougie, hein. C'est des choix hautement technologiques. L'efficacité énergétique, ce sont des choix hautement technologiques. Et en France, on a des champions aussi là-dessus, pas que dans l'électricité nucléaire. Saint-Gobain, Schneider, toutes sortes de PME sont champions d'efficacité énergétique. Donc notre premier enjeu, ça doit être de consommer moins d'énergie. Derrière, c'est un problème de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, un ménage français en moyenne dépense 2900 euros par an pour ses factures énergétiques, tout compris. 2900 euros en moyenne, c'est juste énorme. Et c'est gâché. Enfin, c'est gâché. C'est pas de l'investissement, si vous voulez. C'est vraiment du consommable. Ça, c'est pour les ménages, parce que si vous regardez du côté des entreprises, l'efficacité énergétique, c'est la compétitivité à travers les dépenses directes et aussi à travers la création d'outils, de technologies.